Ça donne envie de sucre. Ouais, bah j'ai bouffé une orange et là tout de suite, c'est reparti pour un tour. Hey! Hey! Donc, prochaine game, ça sera les lots plates. Ok, on sera sur du plate, ok. Bon, allez, à tout à l'heure, poulet. Bisous, Epilo. Quoi, tu m'as appelé comment là? Poulet. T'as quel âge? 16. J'ai quel âge? 39. Dans mes souvenirs. Ok. Bonsoir, tu es quoi dans la Salty Academy? Bah, non, plus stagiaire. Un membre event. Ok, et moi je suis quoi dans la Salty Academy? Grand patron. Ok, du coup on l'a refait. A plus tard, Epilo, merci. A tout à l'heure, patron. Merci. Non, mais faut les dresser, c'est plus facile. Remember it. Allez, on va voir qui alors? Ah bah si, on va voir G2. Waouh, ça change déjà niveau aim. Hein. Ok, on lui a donné le call, il va y aller. Ouais. Eh doucement. Oh là là, le shake piqué au mauvais endroit et tout. Oh la vache. Ah, j'ai envie de vomir. Il m'a donné le mal de mer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais t'es droné! Qu'est-ce que tu fais à tourner ton cul par là-bas? Mais... Ah bah bien fait pour ta gueule! Eh bah voilà! Tu resteras casters, Ironcast, hein! Enlève-moi ce G2! G2 de QI, ouais! Bon écoutez, vous avez mis combien? De toute façon, je m'en fous de votre avis. Vous avez mis 1? Ok, bon... J'ai mis moins 5. Ok? C'est-à-dire que là, c'est le condensé de tout ce qu'il faut pas faire sur Rainbow Six. D'accord? Il a pris un gros moins 5 dans sa gueule. Ok, bon, lui, il a fait un kill. Il était flashé, s'il savait qu'il était contact à gauche, pourquoi il est pas rentré? Ah bah bravo, ça vole les kills en plus! Et les trappes, on s'en fout. Il y en a un deuxième. Ok. Ok, ça va, les mécaniques sont ok, ça va, le placement est ok, ça va, mais bon, Ibana, j'ai envie de l'avoir dans la meeting, quoi. Quelle note? Ça s'appelle pas une collate, ok? Ça s'appelle une brochette, d'accord? Un dégât collatéral, ça peut pas être un dégât où tu tues deux personnes d'un coup, d'accord? Arrêtez avec ça, ok? Vous avez des références toutes pourries, d'accord? 10 ans avant que la collate existe, il y avait un truc qui s'appelait la brochette. Ça s'appelle toujours une brochette. Et dans le principe de la brochette, on voit bien mieux que dans la collate, en fait. On se dirait, quoi, collate? C'est quoi, en fait? Vous avez mis 6? Oh, je vous trouve trop généreux, moi. J'ai mis 5. 5, c'est pas mal. Tipeee demande s'il y a un match après. Non. Je sais pas. Bruh. Ah bah... Espure, on va peut-être pas le noter sur ce round-là. On va aller voir Bob. Bruh. Ah, alors peut-être qu'on devrait aller voir Smoke. Ah. On va peut-être aller voir Elysium Grimdall. Ah, on va peut-être pas noter quelqu'un ce round là. Ensuite, on a Bob. Voilà, et Bobby, 242 de ping, le gars. Waouh, meilleur joueur du Kazakhstan, le bonhomme. Il habite à La Réunion. Qui ça, Bobby? Putain, mais il y a trop de joueurs de Rainbow Six à La Réunion. C'est parce que vous avez rien à foutre là-bas ou quoi? Comme des drones de Mozik, tu ramèneras de... Ok, ça lèche l'arrête là, Bozy. Chez Bobby.
Ah, Bobby, il va mal se placer. Qu'est-ce qu'il fait? Oula. Ok. Il y a un truc que j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas. Je sens pas la sérénité. Il va se décaler, il va die. C'est quoi ce crosshair placement? Bouge pas, Bobby, t'es bien là. Bouge pas, t'es bien. Voilà. Oh, tu dois avoir le call qui sont deux, hein. What? Y'a rien là. C'est dommage de pas l'avoir regardé pour le plantage de la bombe, mais bon. J'aurais préféré le voir sur une plante défaut, quoi. Plutôt que de le balancer comme ça, là... En mode balèque. Ok, pourquoi pas pour Bobby, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai pas l'impression que ce soit la carpe la plus oxygénée de l'étang. Mais pourquoi pas. Bah franchement, le kill, là, tout à l'heure, de Bobby était bon, mais il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient pas logiques, quoi. Il se met au niveau de la tour, il regarde des cams qui sont à l'autre bout du truc, alors que ses potes pourraient le regarder. Genre, tu te rappelles pas de tes cams, elles lui servaient à rien à l'endroit où il était, donc il y a même pas besoin de les regarder, en fait. Donc il y a ça, après, l'agression sur la tour, bon... c'est toujours dommage. Déjà, l'un des trucs que tu peux faire, c'est déjà, tu casses pas la vitre, quoi. Ça te permettra toujours d'éviter de te faire entendre en train de casser la vitre pendant la phase de préparation. Par un drone. Oh, vous avez mis 6 à Bobby, là? Oh non, franchement... Oh non, j'ai mis 4. Ouais, j'ai mis 4 pour Bobby. Ah, désolé. On va aller voir Saïf, parce que tout le monde va me faire chier avec Saïf encore, là. Il a le charme de la Salty Academy. Déjà, il a un point. Oh là 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 là. Attention les chiens qu'on pique les mecs. Les gars, je vous l'ai dit. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Je vous en ai parlé au Six Invitational. Je vous en ai parlé pendant les Salty Duels. Re-regardez les Salty Duels. Le chiens qu'on pique est mort. Et essayez de comprendre pourquoi. Et je vous assure que vous gagnerez plus de duels maintenant. Oh, Saïf. Ok, Saïf. Il est bon, Saïf, j'aime bien. C'est pas mal ce qu'il nous a fait. Ok, il y a combien là? Vous avez dit 7 pour Saïf. Ouais, bon les gars, vous vous enflammez. S7, S7 c'est un joueur T2 là. Hein. Oh, j'ai mis 6, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. 12 sur 20. C'est déjà pas mal, vous enflammez pas. Ok, la petite ligne là, bam. Ok, le petit pré-shot, dommage d'ouvrir la ligne derrière, ça sert à rien. Arrête de faire des clics droits, frérot, t'as regardé à gauche? Ouais, parce qu'il y a un truc rouge qui arrive. Putain, zéro situational awareness, quoi. Aïe, 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 est-ce qu'on va voter pour le lésion? Je sais pas. On va aller voir goal but. Oh là 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 là. What the fuck? Goal but? What the fuck? What? Oh là là. Oh là 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 là. J'ai mal à mon Rainbow Six. Goal but? Goal but? Lève le viseur. Plus ça va, plus ça tombe. Oh là là, goal but. Oh là 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 là. Mon goal but. Mais alors ça va pas être génial. Ça va pas être génial. Après, il a pris. Il était au bon endroit. J'ai checké les Mélusies. Elles étaient pas trop mauvaises. Et derrière, les mécaniques... Ah non, les mécaniques d'un argent 3, là. Et là, les mécaniques d'un argent 3. Je suis désolé. Ah, il a pris Mélusie. Déjà, c'est déjà pas mal. Il était à peu près au bon endroit. Ça, ça va. Du coup, vous avez mis combien? Ouais, vous avez mis une note encourageante. Vous avez mis 1. J'ai mis 2. Ouais, voilà, on est des gens comme ça, nous. On veut pas lui casser son délire. Si ça se trouve, il a envie de devenir joueur professionnel. Et là, l'important, c'est d'être dans la bienveillance, les amis. Du coup, c'est pas mal, 1,5 sur 10. Oh oui, il s'en bat les couilles, hein. Et il est pas venu là pour épiler des cactus. Ok, grosse prise d'infos. Bam, je vais ouvrir le mur, les mecs. J'ouvre le T2. J'ouvre le T2, les mecs. Et le drone au sol, on s'en bat les couilles. Il va péter dans le process.
une smoke qui sert à rien, on protège pas du tout le bon truc. Si, c'est bon. On s'allonge, on se couche, on sait pas. Là, on pourrait se prendre le plus gros C4 de l'histoire du C4. Ça va, c'est pas trop débile. Ok, en face, c'est goal but. Putain, la vache. Mais non, mais t'ouvres ton T2, là. Déjà, tu fais gaffe parce que t'ouvres le site alors qu'il y a encore tout le monde. Donc déjà, tu t'attends à ce que ça push dans la smoke, quoi. Puis tu fous pas de smoke, en fait. Et après, t'attends que ça se calme. Et après, tu drones. Mais tu fais surtout pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire, tu t'allonges dans une smoke où tu pourrais pas dodge un C4. Tu contrôles pas le fait que ça puisse pusher à l'intérieur, à travers la smoke comme un débile. Et derrière, tu fais échec. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Ça, c'est pas bon, hein, en breacher. C'est quand même pas dur. Tu drones ce qu'il y a derrière un mur. Premier point. T'arrives sur le mur. Tu commandes les autres pour l'ouverture du mur. Et tu leur dis, attention, gna, 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 il me faut ça. Deuxième point. Troisième point, tu ouvres le mur. En tenant une ligne cassée sur le mur pour éviter qu'il y ait n'importe quoi qui sorte, un C4, un slip, un truc, un machin. Cinquième point, tu drones, tu regardes ce qu'il y a derrière le mur que t'as ouvert. Ah, c'est tout. C'est toujours pareil, en fait. C'est systématiquement pareil. C'est la base. Et là, la base, il l'a pas respecté. Il l'a pas respecté. Il a ouvert le T2, les amis, et il a pris Termite. Du coup, on va lui donner une note encourageante. Ah d'accord, vous avez décidé de me casser les couilles, vous. Vous lui avez mis la note de 3, j'ai mis 2. Voilà, beaucoup de notes encourageantes aujourd'hui. Bon, toi aussi, découvre Zofia. Grâce à Elysium. Ils sont pas mauvais, ces petits placements. Ils se donnent pas, là. Il est pas mauvais, le petit espure, là. Ok, on prend les infos. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il y a un drone dans le bac, quand même. Ok, ça va, on respecte le jeu. Ouais, derrière, on se fait sécher. Parce qu'on pue un peu la croquette. Tester et approuver. Coucou! Ok. Bon, oh, drone, non? Enfin. Il utilise ton gadget, il est intéressant quand même. Ah, oh, il est un peu du père. Faut y aller là! Mais arrête! Bah oui! Mais fallait déjà y aller il y a 30 secondes! Bah ouais, voilà! Ah bah là, vous êtes bien tous les deux! Bah ouais, dommage! Ah non, mais là, très mauvaise gestion du temps là! Mauvaise utilisation du gadget en plus! C'est ok, ça c'est à peu près cliqué! Ça, on est d'accord, y a trop de déchets! Jérémy, je pense pas qu'on l'ait fait! Hein. Vous avez mis combien? Merde, j'ai pas vu! Je sais pas, moi j'ai mis 5. Et encore, je pense que je suis généreux. J'ai même pas vu combien vous avez mis. 2, c'était. Il a même pas utilisé son gadget. Si, une fois, mais mal utilisé. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait, là? Pour toi, Styx, quel est le meilleur joueur au monde actuellement? Tu veux dire quel est le second après moi? C'est ça? Je sais pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, Spur? Oh là là, il se grille le cul et tout. Ah, Jérémy, Jérémy s'est fait arracher, hein. Les petits replays. Ah là 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 là, Jérémy. Et merci infiniment, le Guise. Le monstre. Ça va, Jérémy? C'est pas trop mal? Oh la vache! Putain, il est passé vite fait.
Ah, mais Jérémy, là, il se place comme une bite. Deux fois qu'il se place comme une quéquette, hein, Jérémy. Hein. Jérémy, tu m'as pas l'air mauvais dans ton aim, mais tes placements, ils puent la croquette. Hein. Et là, du coup, on l'a laissé passer tout à l'heure, mais là, je pense pas que ça va passer, Jérémy. Et tes placements vont te coûter cher. En avant la note. Alright, combien du coup pour Jérémy vous avez décidé de mettre la note de... Oui, oui, je suis d'accord. 3, clairement. Clairement. Bah ouais, ces placements, ils puent un peu... Ça sent la marée.